tout le monde, baby show. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous recevoir ici à Paris. Oui, parce que je vous reçois. Vous savez très bien que vous êtes tout le temps avec moi partout dans où je suis. Dans un sacré appart. C'est très beau. Super. Il y a des moulures au plafond, Kevin. Des chandeliers. Le couple improbable. Pourquoi improbable? Tout le monde dit ça, je comprends pas. Bah, parce que vous êtes quand même assez atypique. Peut-être qu'on est tous les deux atypiques, mais du coup, c'est probable que deux personnes atypiques se retrouvent. Oui, moi, personnellement, leur couple, il m'a pas du tout choquée. D'ailleurs, je pense que j'ai été la première à vous dire que vous allez trop bien ensemble. Très parce que vous êtes carrément tarés les deux, donc... Du coup, ça pouvait que coller, quoi. Bon, en tout cas, je suis très très contente de vous avoir. Bah, nous aussi, on est trop contents. Il y a 2 mois de ça, même 3 mois, on avait tourné des... On n'est pas obligé de le dire, ah, ça. Ah, si, la honte. Ah, si, on est obligé. Moi, je leur dis tout. Et tu leur montres tout. Vrai. Hein. D'ailleurs, allez sur la chaîne de Bastos, vous verrez des trucs improbables que vous ne verrez jamais. En ce moment même, il y a une vidéo où on est tous les trois. Ouais. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bastos et moi, nous avons fait une vidéo il y a quelques mois d'ici et nous avons été vraiment très très bidons. C'est-à-dire que lui a fait une vidéo sans son et moi. J'ai utilisé une carte mémoire qui était défectueuse. C'est deux vidéos incroyables. Franchement, elle était trop bien. Mais bon, c'est pas grave. Nous revoici, nous revoilà. Et donc, Bastos, dans cette vidéo qui n'est jamais sortie, m'avait dit à l'époque, il n'était pas avec toi, qu'il voulait adopter des enfants plutôt qu'en faire. Est-ce que c'est toujours ton optique? Parce que rappelle-toi, je t'avais dit aussi, mais tu verras qu'aussi fois quand tu rencontreras quelqu'un, tu auras peut-être envie d'avoir des enfants de ton sang, de ta chair, etc. Bah, maintenant, j'ai envie et ça tombe bien qu'on soit là parce que bah, je suis là pour vous annoncer quand même un heureux événement. Non, je rigole. Et donc du coup il m'avait dit que voilà, il était plus si tu veux dans le délire d'adopter, chose qui était plutôt pas mal parce que Bastos expliquait vraiment que il connaissait pas mal de personnes qui étaient issues de foyers et qu'il avait envie justement de faire du bien à ces personnes là et je suis complètement d'accord avec lui. Ouais, parce que moi j'ai rencontré dans ma vie tellement de gens qui avaient galéré dans ces processus. Après 11-12 ans on trouve plus de famille d'accueil. Malheureusement c'est le moment où pour ces gosses c'est là qu'on se construit et qu'on peut soit prendre le mauvais tournant, soit prendre le bon tournant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un énorme effet papillon qui vient de ce moment-là. Et moi, j'ai envie de faire la différence à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Dans les 11-12 ans d'enfants qui ont pas eu la chance d'avoir ce que moi j'ai eu. Parce que moi, vous savez, sur ma chaîne YouTube, j'ai les meilleurs parents du monde. J'adore ses parents. D'ailleurs, tu t'entends bien avec ses parents? Oui. Salut, monsieur Grimm. Donc du coup, c'est toujours dans ton idée, donc. Ouais, c'est toujours dans mon idée. Pour l'instant, moi, j'ai pas dans l'objectif d'avoir un enfant là maintenant. Toria, elle a 22 ans. 22 même s'il n'y a pas d'âge pour faire des enfants, c'est voilà, quand vous sentez prêt. Elle manque cruellement de maturité. Oh putain, la honte. Pourquoi tu la balances comme pas ça vrai, bah, c'est moi, pas vrai. Très mature en plus. C'est pas vrai. Ma Vicky. Elle est toute belle. Regardez comme elle est mignonne. On dirait que je suis un bébé. D'ailleurs, il va être l'heure d'aller faire la sieste. Hein. Il va rejoindre la tane. Non, il va surtout être l'heure de voir si justement, même si Victoria et Bastos ne sont pas forcément prêts à avoir des enfants comme ils l'ont dit, ils sont à l'aise avec les enfants. Parce que est-ce que vous êtes habitués à avoir des petits bouts autour de vous? Bah moi oui. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter comment Bastos change la couche et comment Victoria va donner le petit pot. Ah oh bah d'accord, la répartition des rôles a été plutôt bien faite. On va noter leur job quoi. Bah leur c'est place, facile quoi. De donner bien un petit pot. C'est pas si facile que ça. Non, par contre je crois qu'il a vraiment fait caca là. Donc allez, on commente et surtout j'ai hâte de voir comment vous allez vous débrouiller dans mon rôle en fait de maman. Ok, t'as hâte surtout de ne pas changer cette couche. Bon appétit bien sûr. T'as bien dormi? Fais-lui des câlinous, hein, il adore les câlinous. Ouais, non. Allez, on va changer la couche. Regarde, juste là, je t'ai tout préparé. Ok. Hop. T'as pas envie, hein? T'aimes bien quand ça colle, quand ça, quand ça gratte. Quand tu vas le déshabiller pour lui changer la couche, d'accord, il faut l'occuper, le monsieur, le petit monsieur. Hop là. Je te préviens des fois, quand il est content, il pisse dessus. Allez, on arrive la couche. T'es prêt? Toc. Ah, mais il a rien fait. Il a même pas mes caca. Ah, ma chance. J'ai eu trop peur. Mais c'est pipi quand même, hein. Oui, c'est pipi quand même. On attrape les deux pieds. On lève les fesses.
Il est fort, hein. On roule. Moi, tu sais que j'aurais pas su faire. Comme ça. Mais moi, j'ai déjà fait. Est-ce qu'on chercherait pas une autre couche? Non, mais t'as déjà, il faut nettoyer. Ah ouais, parce que toi, tu vas aux toilettes, tu nettoies pas. Faut nettoyer les fesses et le zizi. D'abord le kiki, après les fesses. Okay. Toujours un petit coup aux fesses quand même, hein. Victoria, est-ce que ça te donne des idées quand tu vois ça? Quel genre d'idée? Ben, de te faire engrosser. Ah non, engrosser. Non. Allez, fous-lui la misère, bouge bien dans tous les sens. Non, mais là, il vient de se réveiller, donc il est calme. Tu vas aller lire. Est-ce que des fois, c'est galère? Ah, des fois, il pleure, il hurle. Mais il est sage la plupart du temps. C'est un bébé content qui sourit tout le temps. Mais t'es quand même vachement bien. Mais oui, vraiment. Alors, toujours remettre un petit body avant, d'accord? Ok, un petit body. Le petit body, c'est très important, ça évite qu'il est. Belle vie aussi, elle porte des petits body. Oui, oui, c'est vrai. Ah ouais, la galère là pour le mettre, le body. N'étouffe pas le bébé. Voilà. C'est difficile les body. Surtout que je t'ai pas donné de plus simple, j'avoue, j'ai fait exprès. T'as vu, je t'aide, hein, j'arrive j'arrive pas, il faut que je le laisse dans la merde, mais Et là, comment tu vas faire? Tu vas voir, essaye de m'avoir, là, hein. Hop là. Alors, je t'explique. Hop là. Tu mets le petit pantalon, tu peux lui donner la petite voiture, tu vois, pour l'occuper comme ça, tu sauras. Ah, tu l'occupes? Faut l'occuper, parce que sinon, il... Là, il cherche une bêtise. Ouais, c'est un peu ça. On dirait moi. En fait, j'arrive à appréhender les comportements du bébé parce que j'ai exactement les mêmes. Mais après, tu lui mettras pas le petit pull, je lui mettrai après parce que j'ai peur qu'il ait chaud. Et ouais, parce que là, même moi, j'ai chaud. Moi aussi, tu peux me changer après. Oui. Ah, bande de cochons. Bon, ça va. On va dire que quand même, pour ça, tu t'en sors pas mal. Franchement, je veux dire, pour le changement de couche, parce qu'il a bien été propre et tout, il a bien plié la couche, donne une petite note de 8,5. Propre. Parce que si ça aurait été 10, il m'aurait dit, je pourrais mettre de la crème pour pas qu'il soit irrité au niveau des fesses. Ouais. Bon, pour l'habillage, on va dire que vu que j'ai un peu aidé, je mets 8,5 aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Victoria? Propre, je suis d'accord. Bon, on va manger? Oh là, oula. Et il est animé, on dirait moi quand je vais manger. Ouais, exactement. Ça se met où? Ah, alors, ça se met là. Voilà, ça, tu vas le mettre. Mais pas pour toi, mon petit chat. Ça, c'est autour du cou, hein. Oui, mon chat. Lève la tête, s'il te plaît. Non, il veut pas que je le mette. Mais si, il veut. Il m'attrape. Je fais un petit nœud. Alors, tu fais un tout petit, parce que ça, c'est galère à enlever. C'est un petit peu chaud, d'accord? Ouais. Les lingettes, si jamais tu vois qu'il en fout partout. Toujours un petit peu d'eau. Est-ce que c'est possible qu'il en fout partout? C'est possible qu'il en fout de partout. Si tu fais pas attention, on va mettre les doigts dedans. Ouais. Ouais. Oui, on va manger. Le petit Zlat va se régaler. Il va prendre à manger dans ton petit gosier. Donc tu fais quand même attention, tu souffles un petit peu avant. Et on fait une cuillère pour papa. Pour ça, papa avant. Pour maman, pardon. Hop. Dans les émissions d'enfants, ils font genre comme ça, ils récupèrent. Ouais, sur le côté. Wow. Non. Il la regarde, l'air de dire putain, mais elle veut pas me donner à manger. Oui, voilà, il essaie de l'attraper pour avoir plus. Tiens. Tu sais. Oui, j'arrive. Ah, il a faim. Ah, il a faim. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, mais moi aussi, j'ai envie de le manger. Ça, tu le tortures. Tiens, donne-lui. Oh, mais je me gave. Moi, je pense que je suis prête à avoir un enfant. Non, pas les doigts dedans. N'hésitez pas à commenter, hein. Si vous êtes d'accord avec elle. Parce que je crois qu'on n'est pas trop d'accord sur le coup. Là, la cuillère est un peu fébrile. T'as soif? Oui. Attends. Hop. Oh, c'est mignon. Elle lui a essuyé la main. Et est-ce qu'il sait boire seul? Oui, il peut. Ah. Regarde. Ah oui. Non, mais des fois, il le fait. Quand je suis bien. Non, dans la bouche. Dans la bouche. T'as pas soif? Moi, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Tu arrêtes de me pousser parce que je prends un peu mal. Ah. Pourquoi il fait pas un? Le petit Nathan va se régaler avec de la bonne purée. Ouais. Wouh. Bah non. Ouais. Bon, on va remercier Victoria. Non, mais moi, non, je continue. Pour sa patience. Non, tu nous laisses maintenant. Tu poses. Oui, bravo. Bravo, bébé. Eh, moi, il m'a félicité. Toi, est-ce qu'il a applaudi quand tu lui as changé la couche? Je crois pas. Bon, pour ce qui est de la note, je pense qu'on va taper sur une moyenne, mais on sent quand même qu'on est... Oui, bravo, mon amour. Sur une moyenne. L'enfant a mangé, hein. L'enfant. Bon, je vais donner du 6,5 pour lui faire plaisir. Mais il y a quoi qui allait pas, là? Il a bu, il a mangé, il est propre, il a pas mis les doigts. Merci à Victoria. Non. Donc la moyenne, c'est pour nous deux? Non. Alors, non, tu es élevé un petit peu plus en termes de moyenne, parce que tu es un peu plus vieux. D'accord. C'est normal, okay. Tu es un peu plus... Grâce à ma maturité, sans limite. La fibre paternelle, etc. Bon, Victoria, on sent qu'il y a encore... Elle fait beaucoup d'efforts, on sent qu'elle aime les enfants.
enfants. En tout cas, merci beaucoup d'être sur ma chaîne. Regarde, il applaudit encore. Ouais. Dis-leur qu'on s'abonne. Ouais. C'est qui la meilleure? T'as ici, c'est lui. Bientôt pour un nouvel épisode de Mon Amour de Chaîne.